Hello, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, ici ça va, un beau soleil aujourd'hui. J'ai reçu un message de mon fils ce matin. Il me disait coucou maman, je pars à l'école. Donc ça y est, la reprise pour lui aujourd'hui. J'ai préparé mon petit déj, mon petit sachet sucré du matin. Là j'ai fait vanille chocolat blanc. Il est très bon aussi celui-là. Ça, c'est quand même très agréable, c'est de prendre son petit déj comme ça sur la terrasse. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui avec mon homme. Du coup, sachet, donc, ce sont des challenges de 5, 14 et de 28 jours. Donc, vous allez perdre du poids. Tous les matins, je prends mon sachet sucré, le petit déj pour moi. Ça, c'est très facile. Je ne suis pas du genre à manger le matin. Et pour moi, c'est vraiment une alternative qui est canon parce que je sais que ça m'apporte aussi donc les nutriments qu'il me faut. Les sachets, donc c'est une fabrication française, c'est vegan et végétarien. Vous êtes tellement nombreux et nombreuses à avoir adopté Sochep. Vous prenez donc un Sochep sucré le matin, repas libre le midi. Repas libre, c'est un repas équilibré. Vous prenez un Sochep salé le soir. Donc vous avez le choix entre le risotto, les pâtes. Vous avez vraiment pas mal de choix donc sur le site de Sochep. Même en termes de sucré, donc là ben, je vous l'ai dit, j'ai fait chocolat blanc. Et la préparation est très facile, que ce soit pour le sachet sucré ou le sachet salé. Je le bois. Je le bois deux fois, très rapide. Moi, je vous dis, celui du matin, pour moi, il est indispensable. Mon préféré, quand même, c'est le brownies. Vous avez de vrais morceaux de brownies dedans, comme cookies aussi, de vrais morceaux de cookies et spéculoos aussi, des morceaux en plus qui sont bien croquant. Et puis aussi, ben, n'oubliez pas que vous avez aussi donc les snacks healthy de Sochep. Et ça, franchement, les snacks aussi, c'est une très 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 bonne alternative donc pour manger soit en 4h, en 10h, ou alors même pour le soir après votre Sochep salé. Il y en a qui aiment d'avoir une petite touche sucrée sans culpabiliser. Et vous avez du choix. Des pancakes, des granolas, des cookies, des bars. Franchement, n'hésitez pas. Vous avez donc un code promo de moins 10% des 80 euros d'achat sur le site de Sochep. Vous avez aussi donc la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, je vous ai mis le lien pour accéder sur le site. Vous avez ici le code promo. Donc, franchement, n'hésitez pas. J'ai reçu aussi énormément de messages par rapport donc le fait que mon fils soit parti hier avec une hôtesse. On prend de l'avion, donc il est rentré seul. Si c'est super bien encadré, c'est super bien encadré en fait. On doit remplir 4 papiers. La personne qui dépose l'enfant à l'aéroport, la personne qui va récupérer l'enfant donc de l'autre côté à l'aéroport. En fait, il récupère donc votre enfant au comptoir, il passe la sécurité avec, il vous l'amène devant la porte d'embarquement et après, il dépose l'enfant dans l'avion. Dans l'avion, il y a les hôtesses qui s'occupent de lui. Il ne peut pas sortir de l'avion. C'est le dernier à sortir de l'avion. On récupère donc l'enfant à l'aéroport, donc à l'arrivée dans l'avion. Il y a une hôtesse de là-bas qui vient chercher votre enfant et qui amène l'enfant jusqu'à la personne qui doit récupérer donc votre enfant à la porte finale donc de l'aéroport. Donc c'est super bien encadré. Go, il n'a pas peur. Il adore voyager seul. Donc voilà. Pour la compagnie aérienne pour les enfants qui voyagent seuls, ce sont des compagnies comme Brussels Airlines. Vous avez aussi Transavia, EasyJet et Ryanair, ça ils ne le font pas. Donc c'est vraiment ce n'est pas les compagnies low cost en tout cas. On est venu récupérer Romain. Oh là là, j'en ai fait des allers-retours aujourd'hui. C'est vrai? Oh, elle voulait te voir, Romain. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. On a super bien dormi. On a fait calme hier. Hein. Mmh. 22h au lit. Mais ce soir, bonbon, hein, fiesta bonbon. Parce que un jour calme, un jour fête. Un jour calme. Demain, ce sera fiesta. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, là, on va aller manger à midi. Mmh. Et on va profiter de ce beau temps. Parce qu'après, ça n'a pas trop duré dans le sud. Devenir organisateur d'événements. Je vais t'expliquer à l'intérieur, ça sera plus simple. Il faut qu'on redémarre le stage.